Bonjour. Well, this week I would like to share a few surprises with you. And the first surprise was in Mont-le-Saint, I discovered a restaurant which is almost typical of a very popular chain restaurant in South Africa called The Spur. And then I came across a few surprises in Asrable. But today, behind me, that's not the surprise. We don't have a rooster today. I'm here in La Gera, and let me just check where the bull is, because that's the dangerous one. Today we are here at the chapel because the conseiller municipal, the municipal councillor of Chilly, Madame Delage, agreed to come and tell us more about the history of the chapel. And while we are waiting for her, we can take a look around at the chapel and take a walk there and see what progress has been made since the last time we visited the chapel. The rooster is still alive. Was not served for lunch. Bonjour, Monsieur le Coq. Oh, there's more than one. Ah, there's Madame Delage. People, I want to introduce you to Madame Delage. She is the conseillère municipale in Chilly, and she's here to answer a few questions about the history of the chapel and explain a few things. Unfortunately, I see that the chapel has been closed. It's closed now, so we can't go inside, but she brought a lot of research with, because she's also an historian. Elle serait du 12e siècle. 12e siècle, elle serait. C'est une église qui était très importante sur la communauté de Chalut, parce que elle a été l'église principale. Oui. Et elle dépendait d'un archevêché dans un petit peu plus loin, qui s'appelle Nontron. Oui. Et ici était l'église principale. À Chalut, il y avait une église, mais moins importante. Voilà. Ceci jusqu'à la Révolution. Cette église-là, elle a subi des dégâts, et particulièrement pendant les guerres de religion. Elle a été détruite, reconstruite. Oui. Et elle est en fait en deux parties actuellement. Oui. Une partie du 11e siècle. Oui. 11e? 11e. Wow. 11e, 12e. 12e, puisqu'on dit qu'elle serait du 12e siècle. Donc c'est la partie la plus ancienne, mais on dit 11e. Et une partie du 15e siècle. Voilà. Ah, oui. Voilà son état. Voilà. C'est un intérieur qui est très simple. C'est oui. Une nef oui. Unique. Oui. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a le sol qui est pavé, si oui. C'est le terme que l'on peut employer, par des pierres tombales. Oui. Voilà son aspect. Voilà ce qu'elle est. Les pierres tombales, nous ne savons pas s'il y a sous les pierres tombales des inhumations oui. Ou si ce sont seulement des pierres tombales qui ont été récupérées dans le cimetière adjacent. Alors, il y a des sculptures, effectivement, et il y a dans cet espace deux, trois tombes qui ont un aspect très particulier. C'est dans la partie centrale. Ils ne sont pas représentés ici. Il n'y a pas de photos, la chapelle est enfermée.
Mais ces sculptures ont été plus ou moins déterminées, pouvant être soit des sculptures de tombes de religieux, oui. De tombes peut-être de pèlerins de Compostelle. Ah. Et il y a des symboles sur ces tombes, oui. Ces symboles gravés sur une principale ici. Il y a un bourdon. Le bourdon, ça fait partie de l'élément avec la canne du pèlerin Compostelle. Il y a des symboliques qui oui. pourraient correspondre à une activité professionnelle oui. ou bien une activité religieuse. Ah oui. Voilà. L'entrée est ici. Et ce petit porche-là oui. est un porche qui est typiquement limousin. Ah. Voilà, c'est un porche d'entrée, typiquement limousin. Voilà. Et les portes aussi, typiquement. On retrouve ce genre de portes dans pas mal de constructions, disons, anciennes, oui. avec son cloutage. Elle est certainement très vieille, cette porte-là. Elle a un cloutage qui me rappelle... un cloutage dans un château, une partie d'un château dans le centre de Chalut, oui. Qui sont les portes d'un ancien cachot, qui voilà. était d'ailleurs la prison de Chalut. On retrouve un système de cloutage semblable. Alors c'est quelque chose qui date peut-être de la Révolution, c'est possible. Voilà. voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer de particulier dans oui. cette chapelle? Sainte-Quitry sont liées des légendes concernant les jeunes filles qui, lorsqu'elles voulaient trouver un mari, prenaient une épingle de leurs cheveux oui. et mettaient l'épingle de cheveux dans la statue de Sainte-Quitry dans l'espoir de trouver un mari. Ah. Nous avions une ancienne statue en oui. bois oui. Qui a été complètement détériorée par toutes les épingles à cheveux qu'elle a pu recevoir. Oh. Et voilà. Oui. Lorsqu'à la Révolution, cette église n'a plus eu la responsabilité, n'était plus la paroisse principale, oui. il y a eu, dans Chalut, une église qui a été construite dans les années 1860. Et Chalut est devenue la paroisse principale. Donc ici, et il n'y avait plus de prêtres ici. Et donc, c'était un petit peu... Les habitants de la Gera n'étaient pas très satisfaits de cette situation. Oui. Et il y a eu un problème avec une cloche. C'était un petit peu la cloche de la discorde. Oh. Il y avait... la cloche de la Gera avait, paraît-il, le pouvoir d'éloigner les orages lorsqu'elles sonnaient. Voilà. Et Chalut voulait récupérer la cloche de la Gera. Le prêtre de Chalut voulait récupérer la cloche de la Gera pour bénéficier de ce pouvoir. Oh, et les non. habitants de la Gera se sont battus, oui. Oui, oui. pas la fauche, mais ils se sont défendus pour que la cloche reste à la Gera. Aïe. Et la cloche est restée à la Gera. Aïe, aïe, aïe. voilà, ça voilà. Très intéressant. Ah oui, 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 bien sûr. Donc, il y avait une animosité un petit peu entre les habitants de la Gera et les habitants de Chalut à cause de cette cloche. Ah. Mais ça y est, la cloche de la discorde, tout ça s'est effacé. Tout va bien, tout va très bien. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle, hein ? Oui, oui. Voilà. Ah, c'est ouvert. Les vitraux là sont des vitraux de couleurs très 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 lumineuses en fait. Quand il y a le soleil, ils donnent une très belle clarté. Mais il y a un artiste qui va créer de nouveaux vitraux et voilà, et c'est quelque chose qui va être très très beau, certainement. Il n'y a aucune raison. Voilà. Voilà.
côté de l'église, il a été découvert des squelettes. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment un cimetière, mais peut-être une nécropole. Ah. Je peux vous la montrer. Oh, oui. Oui. Dans ce sens-là, et nous avons découvert des squelettes positionnés comme pour une inhumation dans une nécropole. Oui. Ce n'était pas... il est possible, les historiens ne le savent pas, mais oui. Il est possible que cela soit des squelettes à la suite des corps, à la suite d'une maladie, pourquoi pas. C'est ce à quoi l'on pense, mais ce n'était pas des tombes séparées, c'était une tombe commune, mais dans laquelle les corps étaient disposés d'une manière très propre et très régulière. Ce n'était pas une tombe, enfin, ou tout au moins une fosse dans laquelle on avait mis des corps, c'est simplement très bien posé, avec beaucoup de respect, peut-être à la suite d'une maladie, c'est possible. Okay. Combien ? Je ne sais pas, peut-être 5, 6, je ne sais pas. Ah oui. La Casper. Ok, dit like pas, c'est ce sper, ni jelle. C'est un français sper. Net om vir die mense te wys. Ok. Ok, jelle op die sper. Cheers op die sper. Cheers op die sper, die Franse sper. Daar sy.
back door now. And I thought I would like to show you Harvey's workroom. This is a workroom. Wow. Right, Harvey, and I find it interesting that after all these years you are doing this type of work. So, why didn't you do that before? As a student, I did this when I worked during holidays. Yeah. Kreegkor. Okay. And at that time, I made a chess set. Right. On a lathe. From wood. From wood. Yes. Like okay. Let's see that one. Now this is now the first one that I did here on this one. Okay. And with a time span of exactly 50 years between the set I made and this one. Yes. The reason for that? Well, as a surgeon, a heart surgeon, I was always afraid of my hands. Sure. Okay. So now I can work again with machines and right. tools and things which I couldn't do in the past. Okay. Now so you're having fun. Yeah, so I built all these things. That's my drawing of the chess piece, this one. Yeah. With all the exact measurements there. Wow. And that's all done on this machine? Yeah. I built everything myself. I bought the machine in America, this American made TAIG machine. You can actually make watch parts on this. Wow. Very, very accurate. Up to a thousandth of a millimeter. Wow. Accurate. Yes. And this second hand treadmill motor. Yeah. Which I bought and I installed both all these things so that I can control the speed. So now I don't need to change the belts to control the speed. Right. I can control it with this. Amazing. Yeah. Now you're busy with the shutters, redoing the shutters. The shutters must be redone. Yeah, it brings back lots of memories. Job. Yeah, I know. So, anyway, we must do it. But at least they're in a good condition. Yeah, they're very good condition. Yeah. I'm not sure how old some they are, of mine but they must be 50 or 60 years old. Yeah. Or even more maybe, I'm not sure. Might be older. Thank you, Harvey. Great. Pleasure.